Deux lettres tirées, trois chiffres tirés, deux lettres. Voilà la nouvelle plaque d'immatriculation mise en application pour les véhicules neufs. Principale nouveauté, l'immatriculation restera attachée au véhicule. C'est d'une part de sécuriser ce nouveau système avec un nouveau fichier beaucoup plus sûr pour les personnes et pour les détenteurs de véhicules. Premier souci. Et deuxième souci, c'est d'améliorer le service au public et également tout le monde de l'automobile. Les concessionnaires et les garagistes pourront pour certains établir la carte grise. À ce jour, 20 professionnels de Touraine sont habilités à le faire et 14 conventions sont en cours de validation. Ils offraient déjà le service de traitement de préparation des dossiers. Là, c'est vraiment un traitement intégral auprès du concessionnaire qui a effectivement l'accès à ce fichier et qui traite sous agrément de l'État les demandes. Donc on y gagne en termes de temps. Ce garagiste n'a pas encore reçu son lot de nouvelles plaques. Mais rien ne presse, car pour les véhicules d'occasion, les nouvelles immatriculations commenceront à partir du 15 juin. Moi, je serai prêt officiellement à partir de la semaine prochaine, parce que j'aurai des plaques pour répondre à la demande des clients à partir de la semaine prochaine. Les véhicules d'occasion représentent 80% des immatriculations. Le boom des nouvelles plaques est donc attendu le 15 juin.